Mais en fait, que fabriquons-nous avec tous ces emballages recyclés? En recyclant les emballages, on va obtenir de la nouvelle matière qui va servir à fabriquer des emballages, des objets du quotidien ou des produits industriels. Ainsi, 230 canettes recyclées, c'est assez de matière pour fabriquer le cadre en métal d'un vélo de type VTT. Une bouteille en verre sert à fabriquer une nouvelle bouteille en verre. Et avec 7 flacons de lessive recyclés, on arrive à fabriquer un siège auto pour bébé. Quelles que soient les applications, nous avons donc de la matière recyclée tout autour de nous. La matière recyclée des emballages a énormément de valeur, car lorsqu'on utilise cette matière, on évite d'utiliser des ressources naturelles telles que le pétrole, la bauxite, la silice. Et on évite d'utiliser des quantités importantes d'énergie et d'eau qui servent en fait à transformer les ressources naturelles en matières premières.